Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 32 de Baldur's Gate. Et on est rentré dans le mausolée. Et on est toujours avec tous les autres. La morgue. Ouais, morgue, mausolée, même principe, il y a des morts, on s'en fout. Ouais. Alors, juste pour éviter de prendre trop cher, on a invoqué une petite pixie pour nous protéger contre la malédiction. En fait, on avait des. De faire un petit peu de vente et d'achat avec quelques marchands entre deux épisodes. En fait, le truc de la pixie, on l'avait déjà avant. En fait. Y'a que moi qui vois rien là après là. Non, c'est. Je vois rien non plus. Oh mon dieu! Waouh! Oh, il y a un mur! Y'a un sac à dos. Oh, y'a un coffre! Rien. Ça, quand on vas-y, le je reste derrière au cas où le mur se referme. Edvard, blague dans ta gueule. T'as l'air d'être un truc de pour toi. Cadavre calciné. Déception, ça a l'air d'être un truc pour toi. Ça, de la merde, c'est pour Mulmir. Je suis ravi d'avoir fait ça. Allez, c'est bon. C'était bien. Y'a pas un truc pareil de l'autre côté, on sait jamais par hasard. Non. Avis, petit rappel, mes sœurs, n'oublie pas que nos patients doivent être délestés de ces objets frivoles que sont les bijoux, les montres, ainsi que tout l'argent qu'ils ont sur eux. Tout cela peut être stocké dans la chambre forte située derrière le mur secret, afin qu'il n'y ait pas le moindre problème avec les trimans de la nuit de Kedéric. Si jamais y'a des nuages de poison. Moi je suis résistant si jamais, mais je peux pas et vraiment tu faire. Tu sens les zombies de niveau 6 là? Ah, attends. Pas la zombie. Alors attends, qu'est-ce que je peux faire? Là j'ai un truc de protection contre le poison si tu veux pour aller désarmer les pièges. Là, j'ai une résistance contre. Il y a des zombies en fait, c'est surtout des zombies. Non mais là ça le. Ça, je crois que ça neutralise tous les poisons. Bon bah il a envie d'y aller tout seul. Il y a un levier là-bas, je tire sur le levier. Non mais. Pas celui-là! Tu veux pas que je te. Ah, okay. Bah voilà! On t'avait dit qu'il y avait des zombies. Bah, c'est aussi. Pour une fois que c'est pas moi. C'est toi qui es au plein milieu. Hein. Bah oui, moi je veux. Ils sont résistants au poison. Bah, moi aussi. Moi aussi, je suis pas tombé. Une robustesse de la non-vie. Wow. Oh, je sais ce que je vais leur mettre dans les dents. Si le coup décisif n'était pas un coup critique et s'il n'infligeait pas de dégâts radiants, le mort-vivant revient à la vie avec un point de vie. Est-ce que je le balance maintenant ou pas ? Bon allez, let's go. Hop là. Ça a été nerf, hein ? Encore je déplace ou pas, Mulmir? Non. Enfin, je peux Misty Step si jamais. Et alors, les pièges de poison, ça nous vient d'où? Des pièges qu'il y a là, t'as des. Ah oui, on va déplacer des trucs dessus là, tous les coups. Bah, après, sinon, il peut les casser, hein. Ah, t'es bien. Non, les rations, on peut pas les casser. Ah, oui, tu veux dire les désamorcer? Ah oui, viens, mec. Oh putain, c'est déconné. Il t'a déconcentré. Non, mais je... Le poison, ça s'enflamme ou pas? Non, mais... Alors moi, j'ai balancé un trait de feu, ça a rien fait. Hein. Oh... Parce que là, sinon... Bah, et j'ai plus 7 quand même au jet de sauvegarde en constit. T'as vu comme à la base j'étais au centre et comme j'ai tout renvoyé vers les autres. Est-ce que les zombies savent pas sauter? Attends, est-ce que je peux pas faire ça? Oh non, ça l'a raté. Je peux faire ça mais c'est un peu abusé, je vais pas claquer ça pour ça. Je fais un coup critique d'un côté et un coup critique de l'autre. Vous êtes au niveau qui
Banshee et Sort là, vous êtes à combien? Moi j'ai utilisé que des cantrips pour l'instant. Faut savoir si j'y vais énervé ou pas. Ouais, vas-y, allez. Il me reste un emplacement sort de cultiste. Tu l'as tué? Je pense que sur le derge tout en dessous là. Attends, je comprends pas. Comment on fait pour les buter là? Je croyais qu'il fallait les finir avec. Okay. Non, mais c'est le grand zombie qui a ça, c'est pas tout. C'est juste le greater zombie qui a ce truc là. Des zombies de base, ça reste des zombies de base, ils sont nuls. Quoi qu'il a quoi? Ouais, non, mais c'est la non-vie. Ce qu'il dit, mais c'est les deux zombies qui sont autour de moi. Je suis désolé, les autres ils sont aussi résistants à la non-vie. Par contre, ça. Non, mais c'est les grands zombies, enfin les trois grands zombies. Les grands zombies sont résistants aussi à un autre truc. Et le petit zombie, je suis désolé, le petit zombie là aussi. Robustesse de la nuit. Ouais. Ah ouais. Ouais. Bah je sais pas pourquoi le mien il est pas revient alors. Parce que tu as fait un dégât radiant ou un dégât critique. T'as franchement je suis dégât pour le coup des gardes spirituels. Il veut quand même venir vers moi. Ouais, j'ai l'impression qu'ils l'ont patch le machin là. Je suis déguisé en Gitianki, mais j'ai pas l'impression de faire des dégâts psychiques. Ah ouais, ouais, c'est fini. Oh, c'est dommage. Ah, mais j'enchaîne les échecs là. Pas satisfait. Allez, viens me chercher le Gritter zombie là. Moi je me suis caché derrière Katox. Il faudra m'expliquer comment il fait tomber la foudre dans sous-sol quoi. Mais je suis un prêtre de la foudre. Bah il est super à l'aise. Moi aussi, je sais. Oh. 4 PV, 2 PV, c'est tellement abusé. Parce qu'il est revenu à la vie. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, quelqu'un a un petit gadin à lui lancer ou... Le petit soeur ? T'es un peu trop lourd pour que je te lance. Ça, c'est pas tellement une stratégie. Tu mets genre un demi-orc et une armée de gnomes. Tu termines le jeu, mais tu ne peux taper que avec tes potes. Ah, bah attendez, est-ce que je peux essayer de le tuer en le jetant ? Vas-y, si y'a que ça, je te le jette. Attends, comment je peux pour le jeu? Tape-le. Tiens, je te fais une passe. Ah bah. Bon bah voilà. C'est marrant, il est debout. Strange. Ah bon? Ah bon? Ouais, moi je le vois debout le zombie, je le vois pas à terre. Il n'y a pas de poussière sur la porte de gauche. Something good here. Tu veux que je pisse des trucs pour les poisons? Tu désarmes tous les pièges? Maybe I should. No, this is good. Je vais prendre des armes, on va foutre des cadavres.
Ah vas-y, tiens, je t'envoie un corps. Attention. Merde, quoi là. Il y a une porte là. Il y a un levier. Ouais, mais attends, avant le levier, on va ouvrir la porte. Là, ça ne s'ouvre pas d'ici. Ici, là. Il y a une porte ici, là. De toute façon, ça ne s'ouvre pas d'ici. C'est une porte tout droit. Hein. C'est que ouais, ils vont jamais tout droit. Ah non, c'est bon, il est mort déjà. Il y a un ménestrel mort. Il y a forcément du loot pour moi. Il y avait une clé, quelqu'un a pris la clé, j'en suis sûr. Ah oui, ah, je pensais que c'était la clé du coffre. Ouais, j'ai enfin gagné de l'inspiration. Le Potter gagne charge arcanique. Un... Non, Arda, je viens de t'envoyer une armure qui est pour toi. Ok. Une armure verte, mais elle devrait être bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'armatrice ? Le porteur gagne charge arcanique chaque fois qu'il est touché par une attaque au corps à corps. C'est pas un truc de je monde, préfère quoi, ce ça. Que j'ai. C'est quoi charge arcanique ? Alors. C'est quoi déjà pour figer le tic ? Charge arcanique. Quand elle est menacée, l'entité affectée bénéficie d'un bonus de plus 1 aux dégâts de ses sorts. Ouais, c'est pour un battle mage quoi. Ouais. Sauf que moi je bénéficie d'un bonus de plus 1 au DD de jet de sauvegarde contre mes sorts. Et le porteur bénéficie d'un bonus de plus 1 à la classe d'armure et au jet de sauvegarde du moment qu'il reste des charges de foudre. Bon, tu vois, je préfère garder celle que j'ai. Mais bon, c'est pas grave, c'est gentil de me l'avoir passé, j'irai la revendre un de ces quatre. Ah, j'ai ouvert une porte. Tu dis qu'il y a, des, y a encore des zombies. Bah, je check. Je en cas, il y a un mec qui a dû se faire dépecer. Perception ratée, perception ratée. Perception ratée. Attends, va foutre une guidance à. Ouais, vas-y, ce que je. Tiens, descends l'escalier, Arda. That's curious. Hein? Clonk. Ah, un élixir pour Light on my feet. Be wary. Tiens, Arda, je t'ai envoyé un bouquin. Pour ces squelettes avec des bougies sur eux. Y'a un coffre qui est piégé. Je t'ai envoyé un bouquin. Merci. Moi je t'ai envoyé tout. Je trouve aussi. C'est marrant parce que moi je suis allé du côté où justement il y avait pas les bouquins. C'est pas drôle. Ils étaient au centre les bouquins. Oh, c'est pour ça. Mon dieu, j'ai trouvé un os sur un squelette. Un truc pour être immunisé à l'aveuglement, ça intéresse quelqu'un? Non. Non. C'est quoi, c'est un anneau? Ouais. Ouais. Registre d'organes et de tissus sanguins. Ah, c'est en train de refaire le stock. C'est quoi, serment d'hypocrite? Une inspiration. Trouver les notes de recherche de chirurgien, serment d'hypocrite. Bon, est-ce que je peux ouvrir la porte d'ici du coup? Non, de là. Oui, c'est ouvert. J'ai ouvert la porte qu'on n'avait pas ouvert avant. C'est assez bizarre. Don't want to draw any attention. Light on my feet. Ça me fait penser au repère de Scar dans le Roi Lion. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Soyez prêts. Oh, il y a un bouton, tu l'avais touché? Non. Est-ce qu'on peut le toucher? A défaut, je peux mettre une Featherfall si on veut sauter par là. Oh, attends, je peux aller là-bas. Ça fait rien le bouton, ça devait ouvrir la porte. Je me suis raté, salut!
Non, non, c'est bon. Eh, regarde, en plus j'ai trouvé un coffre. Il est pas verrouillé. Ça a l'air bien sympatoche en bas. Attends, tiens, je t'envoie un coffre. Ouh, ça craint. Le casse. Ouais, cassé, fou. Attention, hop là. Trop bien, livraison à domicile. Bonjour, colis Amazon. Be prepared. C'est une cape. Qu'est-ce qu'elle donnait la cape, quoi, cette cape? À chaque fois qu'une créature fait fait des dommages à celui qui la porte, la créature prend un des 4 de dommages d'acide. Ah ouais. Bah c'est bien pour toi ou pour Bah si y'a que ça, moi je file ma cape à... Moi, ah non, t'avais pas de cape. Hein. Ouais. C'est quoi ta cape? Après moi je veux bien ta cape hein. Bah je pense que cette cape elle ira bien à Arda hein. Pour lui faire un CA supplémentaire. Bah même je te la file de suite la cape en fait. Après Arda il est pas censé se faire taper hein. Est-ce qu'on saute ici? Non mais s'il se prend des sorts de toute façon il sera quand même tapé donc c'est pas sur la classe d'armure en fait. Est-ce qu'on saute? Ah bah si, la classe d'armure c'est pareil hein, pour les sorts, le lacet. C'est juste pour les attaques magiques mais sinon... Bon bah on saute ici, salut. On peut aller en bas là? Bah maintenant j'ai mis Spheresurfall. Ok. Possible d'atteindre la destination. Ah, c'est mieux d'aller en bas, oui. Ouais, je vais sauter par là, moi. Spheresurfall, on l'a pendant un moment, c'est ça? Tu l'as, mais il va partir là, il te reste 10 tours. Non, je suis en combat. Ouais, donc voilà, tu l'as pendant le con. Voilà. Vase putride, armure vide. Immunité contre l'acide, résistance à la foudre, résistance aux dégâts tranchants. Résistance aux dégâts nécrotiques. Ok. Non, c'est au poison qu'ils sont immunisés. D'acide. Non, c'est à l'acide qu'ils sont immunisés eux. Les fétides. Ah oui. Les bulbes là. Je pensais que tu parlais de l'arme. C'était beau ça. Ah, j'ai remis le petit chat. Color affétide. T'as encore fait sur full, tu peux sauter hein. Ok. Ouais, l'armure elle a pas les mêmes résistances. Résistance nécrotique, résistance à l'acide, résistance poison, résistance. Non, immunité poison et immunité psychique. J'adore comme il monte le. Oui. Ah zut. Oh putain isolé. Quel débile, je me suis trompé. Ah t'aurais dû faire Thunder, t'as fait éclair. Ouais c'est ça. La petite patate qui t'a mis là. Oh là il a fait pop un truc. Bah l'ombre débitait le... de merde, on peut le mettre par terre. C'est vrai que... Oh, je suis là-bas. Quand c'est bon, le buff. Ah, oui. Vous êtes où au niveau key point, enfin key point et sort là? J'ai pas dépensé un point de vie encore. Okay. Moi j'ai dépensé que des sorts de niveau 1 et 2. Ben, je t'ai envoyé un truc. J'ai pensé mes deux sorts mais c'est normal, je suis un warlock. If not over, then through. Ben, merci. Ça sera vendu. Bon je sais pas, c'est une armure lourde, c'est pas pour moi. Oh vu que là j'ai le truc d'adamantium qui est pas dégueu. Ouais, bah, ça se demandait pourquoi on est venu là hein. Bah pour l'XP. Ah. Non mais c'est bizarre qu'on puisse pas remonter Si t'as une dent rocheuse sur le côté. Plein d'or.
plus cher, toi et moi. Ah bah, en même temps, on était au cac, je pense. Mais quand tu vois le coup qui te tape à 15, là, ça picote. Hein. Vas-y, je vais mettre une popo par terre. Enfin, je sais pas combien t'as de popo. Ah, moi, j'en ai encore. J'en ai 24 petites, ah, et oui, après, j'en ai 2 des très grosses. Des 4 des 8 là, j'en ai. C'est un cadeau qui traîne. Y'a rien dedans. Si tu veux, vas-y, on va partir. Inquiétante. Est-ce que vous sentez l'inquiétude? Est-ce qu'on arrive? Ah, bah super, pile à l'endroit où on s'est dit qu'on n'avait pas exploré. C'est vrai? C'est-à-dire, on est dans le campement? Ça va. Cette zone-là, ça va encore un peu. Tu vois Raphaël? Là, on avait fait le truc avec Raphaël, bah on est juste en dessous. Ouais, mais non, ça va, ce coin-là, ça pose pas de problème. Ah, mais c'est. Où est-ce qu'on retournerait pas à Racewind? Putain, y'a des trucs là, on peut pas y aller à la maison là-haut là? Ah, mais d'accord, en fait, l'auberge de Lutimuller, elle est vraiment pas loin de la méga-ville en fait. Ouais. Ouais, elle est juste de l'autre côté. Ah, c'est ça, moi je pensais que. Je me disais, on a marché quand même blindé là. Ah bah oui, on a tourné dans tous les sens, alors regarde comment c'est un labyrinthe sur la partie de droite de la map, c'est genre c'est du zigzag en continu. La cabane du pêcheur. Viens chercher un peu de chaleur. Perception failed. Pardon, moi j'ai pas perceptionné. Moi j'ai pas perceptionné non plus. Ah bah c'est un... Oh ah, putain, oui, c'est le prix. Ça... Bonjour. On est surpris. Non. Oui, et moi je n'ai plus aucun sort, donc c'est-à-dire que je ne sers plus à rien. Ah, donc il fallait faire un champ test. Bah oui, mais j'ai dit que j'avais plus de sort. Pas de problème, voilà, il y en aura moins déjà des mobs. Bah non, ils savent nager. Ah, ils sont revenus quand même. Mais ils sont aquatiques, ils savent nager. Oui, c'est pas faux. Mais ils sont mouillés. S'ils sont mouillés, ça veut dire que regarde, ils sont vulnérables à l'électricité et au froid. Oh, je sais ce que je vais leur mettre dans la gueule. Bah là, ici, ce que je vais leur mettre dans la gueule. Et ils sont tous mouillés. C'est lequel qui va bouger? C'est celui d'abord. Tu t'appelles l'éclair là? Ouais, là, je peux leur mettre un petit glyphe de garde avec de la foudre. Bon. Ils pas on est d'accord que c'est un vrai combat ça? Oui. Oui. Bon, après, ils ont pas énormément de PV, mais putain, j'espère que c'est pas mon armée. Bah, non, ça me ton armée. Ah, ton armée qui s'est fait bousiller. Bah, ouais, c'était des coups au Toa aussi. Presque c'est plein, les mêmes. Hein. Il y en a encore 5 qui sont derrière la baraque, on les voit pas là. Ouais, s'il y a que ça, j'irai 2 TP pour leur mettre un petit écart dans la tronche. Ah, sinon, tu les laisses avancer, hein, ils vont sur le groupe naturellement. Oh, bah vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, je savais qu'il attendait le temps. Perds pas ton temps sur ce groupe là, parce que moi je vais leur mettre un petit glyph. Non, mais gars, il y a un chef là en fait. Ouais, bah tape sur celui-là là, ce sera très bien. Oh, tu vas voir qui il va le buter en un tour. Non. Ah bon? Non, j'ai lancé un sort déjà. J'irai sur cela si tu veux. Pour les drench là. Ouais, je veux bien. Il tape sur quoi là? Sur la porte. Moi. Bon d'accord, non sur la porte. Bah vous pouvez vous faire plaisir sur le groupe du bas. Il y a 4, ça niveau 3 et on a 10. Ils sont 3. Au froid, électricité, les deux ils sont. Après, ils ont que 18 PV, hein. Ok, ils sont tous morts. J'adore mes sorts de zone. Allez, je vais essayer de me rapprocher de Mudmir. Ah, je pensais qu'ils allaient se rapprocher les deux, c'est dommage. Oui, c'est pas ce qu'il fallait. Ouais, hein? Non. Non, c'est... Je crois qu'il va venir me voir, mais il a du mal. On dirait qu'il fait un wall hack, quoi. Il est timide. Ah, oh, je sais pas. Ah, j'ose pas. Est-ce que vraiment je le frappe? Oh, mais non, il est timide pour lui. Quoi? Ah, il y a un petit kiki survivant juste par là-bas. Bon, bah. Ok. Finalement, d'accord. J'en peux plus. Ils sont où les autres là? Ça aura fait quand même un peu d'XP, hein.
peut-être que le level 3. C'est fou ce que je sers à rien dans ces combats, moi. Bah, t'en as buté. T'en as buté 2, 4, 6. Oui, c'est parce que quelqu'un les avait envoyés dans la flotte avant. Bah, même pas, manifestement, parce que ceux de côté, du côté de. Après, ouais, c'est quoi le siège que j'ai récupéré? Animate Bade. Déjà connu. Dans le sac à parchemin. Ah oui, j'ai pas looté les petites créatures de merde. Pardon. Mauvais. C'est la poubelle, quoi. Ouais, moi je touche pas à ces machins là. Un coffre, je dis pas, mais. Après, faut quand même les fouiller parce que t'as des. Allez. Des matériaux alchimiques. Mmh. Ouais. Ouais, t'as des tumeurs. Anything of use? Tu fais du jus de cancer en fait. Que dalle. Nada. Non, mais je les ai piqués ceux-là. Useless, peanuts. Allez. On se TP. Attends, parce qu'il y a encore un petit truc à explorer par là-bas là. Quoi? Ben là, il y a un truc, non? De bien servir à quelque chose cet endroit. On a dit qu'on irait pas au nord. Non, il y a rien. Il y a rien. Ah, on pourra peut-être revenir sur nos pas. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que c'est la suite. Ah, mais on y est déjà allé surtout. C'est le truc de Raphaël là-haut. Ah, oui, ah, bah oui, voilà, on arrive juste là. Ce que je propose, c'est de redescendre. Parce qu'il y a le poste de péage là. On n'a pas exploré. Mais on peut passer à Raidspin. Ouais, c'est ce que je proposais tout à l'heure. Avant qu'on se fasse en double. Allez, TP au Reichstag. Ah non, c'est pas ça. Reichstag. Moins pas pour le bordel. Attends, par là, on n'a pas fini. Par là ou pas par là? Poste de tu péage. Tu voulais pas faire un short rest ou je sais plus quoi? Si. Je clique sur le short rest. Je le fais. Vas-y. Il y a des mobs. Ils sont au moins 5. Je passe. Je mets la neck. Ils sont au moins 5. Je vais me mettre en fufu. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais me mettre qui serait surélevé? Bah, sachant que eux ils sont surélevés par rapport à nous. Ils sont au moins 5 toujours. Non, pardon, ils sont au moins 7-8. Ah, c'est tout. J'ai trouvé des toilettes. Moi j'en vois 3 là. Non, mais en fait, là où t'es, il y en a 3. Il y a 2 ombres à côté de moi et de l'autre côté de la statue, il y en a un. Exact. Un ménestrel maudit par les ombres. Laissez-le-moi. Bah, j'y vais, hein. J'aurais même trouvé une position surélevée, mais je pense que c'est eux qui ont le high ground. Bah, après, tu peux monter. Tu peux venir là où je suis, hein. Ouais, mais du coup, je vais être au cac. Bon, tu seras surélevé par rapport aux autres. Bon, allez, c'est quoi? Je vais me mettre juste derrière toi pour une fois. Je leur mettrai une petite poignée électrique. Ça me stresse que vous veniez pas. Bon, j'engage, du coup. Est-ce que tu veux que je les surprenne avec un spell? Ah, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violette. Alors, les ombres, ils ont des résistances à plein de trucs, mais. J'ai pas eu le temps de regarder. Résistance à l'acide, au tonnerre, au feu, à l'électricité, à la glace, immunisé au poison. Vulnérabilité aux dégâts radiants. Résistance aux contondants, aux perforants, aux tranchants de weapons, reste à tout. Bon, c'est éthéré quoi. Ouais. Tu me dis quand t'as fini de tabasser le ménestrel en face de toi? C'est moi, j'ai fini, hein. J'ai. J'aimerais bien qu'ils se packent un peu plus pour leur mettre des dégâts fracassants.
t'occupes du... de l'ombre petite là ou... Pour l'instant je suis encore planqué mais J'allais défoncer le petit ménestrel à 15 PV là. Ouais, ah, bah là il y en a un à 8 et un autre à 7 ici. Moi je l'ai tué. Là, mais j'ai rien à faire là les gars là, vous faites tout. Mais si, t'as deux gars juste en face de toi. Hein. Là. Mais moi j'étais pas encore dans le combat. Bah oui, mais nous on a fait deux tours déjà Arda depuis. Moi j'étais en train de préparer ma tactique. Ah, je suis en combred. Ah, c'est bon. Vas-y, oh, c'est bon, je pourrais. Ouh. Ah, on est revenu un peu aux vestiges des ombres, on peut les. You see a man drain his tankard in an inn as he listens to a flaming fist play the lute. He's better than his uniform might suggest. J'adore ces petits trucs. You feel a rush of outrage. This woman worshipped Shah to the end. So why does the Night Singer's curse not spare her? Notre Dame, quand elle vient. Oh oh! On a cliqué sur le. De l'XP! Bon, oh, j'ai plus une entrée! Quoi? Quoi? Il y a une entrée, il y a une porte qui s'est ouverte. Ouh, du loot! Ah oui! Du loot, du loot, du loot, du loot! Ouh! Il y a de l'or sur les murs, ça doit être bien! Sanctuaire de char! En avant! Du loot! La moula! Oh, sur la statue, la belle paire de dieux qu'elle a. Il y a deux dieux sur la statue? Non, non, il y a une belle paire en tout cas. Belle paire de dieux. Do you think yourself wise? Petit énigme. Tu m'as mis une inspiration, c'est ça? Merci, c'est gentil. Alors, je crois que pour le 14, c'est parti faire la. Oh, la cape de protection qui me donne un plus 1. Oh, GG. Ah, attends, 4 tox. C'est bon, t'as réussi ton épreuve? Pas encore. Quand t'as fini, parce que 4 tox est parti sur une. 18 naturel. Bah, c'est bon, tu as réussi? Oui, non, il a fait 27. Bon, bah, parfait, je mets sur 4 tox. Ça va faire 14 avec plus 3. Bah, je t'ai filé Guidance aussi. Je l'ai pas eu et j'ai fait 3. Putain. Un véritable sage. Bon, je peux relancer, j'ai pas mal d'inspi. Relançons. Attends, allez. Là, ça m'a fait quelque chose, mais je sais pas quoi. C'est bon. T'as gagné plus 5 en intelligence. Moi j'ai gagné plus 5 en intelligence. Enfin, t'as un bonus de plus 5 en intelligence jusqu'à finir un repos là. Mais c'est trop pété, je suis à 25 en intel. Katox il a plus 5 en intelligence. Oh, non, sagesse. Tu crois que je peux le faire le truc? Tu crois que je peux le faire aussi les signes de char là? Putain, dommage. Bah non, c'est consommé, c'est. Putain, ça aurait été quoi. Ta sagesse et ta intel quoi. Avec 5 de wisdom en plus là. Ah, attends, il y a celui du milieu, je sais plus ce que c'est. Je regarde si. Non, mais c'est sûr qu'on peut traverser le mur là. Ah, bah c'est pour moi ça, ça c'est le charisme en fait. Ouais, bah ça va, t'as pris la sagesse, tu m'as pas tout quoi. Vas-y, si, je te laisse. T'as besoin du charisme toi? Ah, bah non, mais t'as besoin de la sagesse toi? Non. Non, bah je n'en savais rien, t'as rien dit que c'était un loup. Bah j'ai une épreuve. Attends, mais c'est sûr qu'on doit pouvoir traverser là, le sol, il nous fait croire qu'on peut avancer là. Plus 5 en charisme, plus l'assistance avec un avantage. Bon. J'ai quand même raté. Putain, mais quel. J'ai raté par 1 avec un avantage et l'autre c'était un échec critique. Bah, de toute façon, on a encore des inspirations, tu peux encore en craquer une. Ouais, c'est bon. C'était un l'été, c'est pas. Le gars, c'est un aspirateur. Comment ça m'arrange? Je vois pas tes jets. Confidence.
feel like there is nothing you can't do, no one you can't win over. Tu dois bien pouvoir the avancer là, non? Seems to agree. And ouais, putain, je me rappelle plus. Mais quoi? Ben voilà. J'ai plus 7 au jet de charisme, sachant que ma décharge occulte, ah elle prend mais des, elle prend les trucs de charisme. Ta décharge au cul. Ouais. C'est qui Char? C'est la déesse de quoi? De c'est le... Enfin, de l'oubli. Tu vois les gens qu'on défonce depuis le début, c'est ceux qui aiment bien Char en fait. J'ai gagné de l'inspiration. Ça t'a donné quoi? Ah, il y a des pare-chocs pour toi. Il y a plein de trucs en fait, tous les trucs quasiment c'est pour ta pomme là. Vous avez fait ça? C'était pas le bon plan. Qu'est-ce qu'il a fait? La bagarre. Ah. J'ai communiqué et après j'ai pris la dague. J'arrête pas ça quoi. Est-ce qu'on a perdu nos bonus du coup? Non, t'as des bonus, c'est juste que là on va faire un combat. Je sais pas s'il va être énervé, mais normalement il est sympathique. Bon, 120, 109. Ouais, mais ils sont résistants à tout sauf aux dégâts radiants. Et moi, dégâts radiants, je peux juste balancer un cantrip. À tout sauf au radiant. À tout. Non, pas à force. Ah non, pas à force. Et ils sont juste résistants, c'est pas. Parfait. Eldritch Blast. Tu vas voir, quand tu penses peut-être taper dessus, je pense que tu vas peut-être revoir ta copie. YOLO. Moi j'ai entendu taper dessus. Et je vais faire une hex en intel, tiens, hop. Oh! Oh, elle tape! Il va prendre méga cher! Ah non, il passe après. Non, c'est dommage. Ah non? Ah, ouais, ce serait mieux que non, ça. Après, si on lui tape fort dessus, on casse sa concentration, mais. C'est chiant. Là, je suis en train de bouffer tous mes slots de sort, hein, les gars. Mais c'est pas grave, on refera un reste, tout va bien. On va perdre nos bonus! Voilà pourquoi je te dis ça que... Oh bonjour, enchanté. Oh la pute. Voilà. Celui-là il... En fait, t'as pas eu de bol quand même, parce que... Bah j'ai pris un triple critique quoi. Là il t'a... Il t'a... Après c'est un bras là. Il t'a critiqué très fort. Là il... Il t'a pris par derrière sans avoir la gentillesse de tripoter le petit frère quoi. Ah ouais, alors que moi je lui ai fait rien du tout quoi. Je sais pas si j'ai. J'ai pas envie. Tu sais ce que je vais faire. Attends, hop, personne ne bouge. Ah attends, je sais ce que je peux. Attends, je sais plus. Sagesse. Oh! Attends, je vais faire un truc. Et ouais. Ah! Non, je peux pas. Perdu. Bon, du coup, je les ai mis au silence, mais il faut que quelqu'un bloque la sentinelle arcanique au corps à corps, idéalement. Ouais, mais moi j'ai déjà eu. Ah bah attends. Hop, je les pack! J'en peux plus de lui là. C'est qu'un peu de bol si on n'arrive pas trop à les faire bouger. En tout cas il devra d'office tenter de se barrer, donc du coup tu auras au moins une attaque d'opportunité, ce sera déjà ça. Pourquoi pas. Oh le miss, let's go. Chiant. Non, on s'en fout, on s'en fout. Bon. Ah ouais. Bête-lui sa tête. Déjà, on va faire ça. Ensuite,
Fais lui comprendre pourquoi. On va faire ça. Ça y est, c'est parti. Il m'a saoulé, lui. Elle est où, mon attaque? Elle est là, tiens. Voilà, déjà, concentration, là, va bien te faire foutre avec ta concentration, là. Ça fait poc. Est-ce que le mec intelligent faudrait le laisser se barrer là? Sans que celle de. Il est par terre là, on peut le. Oui, mais y'a que toi. Ah putain. Attends, bouge pas, j'arrive. Ah non, je vais pouvoir la taper. Je joue avant elle. La sentinelle intelligente. Non, prône. Ah oui, non, mais Magic Missile c'est. Je sais pas. Bah, peut-être. Bête la sentinelle charismatique. Ah, ça c'est embêtant. Non, non, c'est bien, ça va donner une action. C'est parfait. Je vais défoncer la sentinelle d'intelligence là. Je finis la charismatique là et j'explose l'autre. Là. On va faire ça. Ouais, vas-y, c'est 5 des 10, hein. Moi je dis ça se tente. Le pauvre, il se serait pris ça, il aurait été vaporisé. Allez, voilà, c'est ça qu'on veut là. Bon, alors toi déjà. Tu dégages. Non, mais j'ai dit tu dégages. J'ai fait le pourquoi. Toi. Ah, j'ai un gros zoom sur le fait qu'il soit mort. Tu claques tous tes petits points là, non? Non, j'en ai dépensé un depuis le début du combat. Là, il reste un PV quoi. Mais attends, mais comment tu fais? Ah oui, t'as 4 attaques là? Non, j'en avais 6. j'en ai même fait 7. Ouais, mais des actions juste, on a. Enfin, j'ai 3 actions donc ça fait 6 attaques. Plus action bonus où je peux taper 2 fois. Si tu veux, je la termine celle-là. Non, mais ça me coûte rien ça. Ouais, je sais plus ce qui me donne hâte, mais j'ai un truc qui me donne hâte. C'est ton arc, non? Oui. L'arc OP. Hein. Super. Il est trop loin. Et bien, c'est que j'avais un sort que je pouvais utiliser au corps à corps, et toi, tu me balances le mec avant que je puisse. Tu l'as fait, hein, la poignée électrique, elle est dessus. Hein. Ouais, mais not cool. Bah, moi, je comme lumière, il est trop loin, ouais. Waouh! Ça va, 14 dégâts, il va pas râler non plus. Ouais, c'est parce qu'il est vulnérable à ça. Là, faut passer ton tour. Hein. Deux secondes, je suis en train de chercher un objet là. Ah. Il va juste un caillou. Non, je veux récupérer des slots de sort là. Niveau 1, niveau 2. Ah, attends, je sais pas si j'ai envoyé la pompe que j'ai à trouver dans le sanctuaire. Où? Alors lui? Non. Non, vas-y. Ah. Non, mais t'inquiète. Je vais le renvoyer au 22. Alors, 8 PV. Allez, parfait. Je lui mets l'attaque d'opportunité. J'ai l'impression. Y'avait rien. T'as une potion dans ton sac, Arda, qui te permet, genre, tu la bois et ça te restaure tous tes slots de level 1 et 2, je crois. Ah non, c'est un truc de long repos, toi, que t'as. Oui, mais alors j'ai pas envie de perdre mon 25 en intel. Ouais, mais la popo là, que du sommeil angélique, c'est comme un long repos. Justement. Oh, tu fais quoi là? Pourquoi tu casses la scène? Oh, c'est un truc. Mais non. Et il lootait quoi les mobs là? Un PO visiblement. Waouh, franchement rien du tout, c'était à chier. Ah non, la popo qu'il y avait dans le sanctuaire, c'est à Miracle. Ah oui, c'est bien ça.
Ouais, mais c'est, et ça c'est bien pour justement pour Arda. Ah, tout rabat, c'est bon. Ouais, ouais. Regarde. Je fais des photos classiques. La caméra, c'est pas fou. On se casse maintenant. C'est bon. J'ai fait mon iconoclaste. Il n'y a que son dieu. Il n'y a que son dieu à lui qui compte. Il n'y a que moi, je te rappelle que je suis dieu d'une armée d'espèces de Murloc. Je suis Boal. Je suis Boal. Bien, du coup. Il y a un truc qui s'appelle poste de péage, moi je sais pas si. Voilà, mais ça a l'air plutôt intéressant. Ouais, je suis sûr que c'est intéressant. Parce que dans péage. Ouais, vous payez. Pourquoi personne va au même endroit là? Bah, moi je joue au péage. Attends. Oui, mais... Ah, donc Atox il va complètement à l'opposé. Ah oui. D'accord, il va pas au poste de péage. Ah, je suis. Je gogolise avec ma caméra là, j'en peux plus. Je suis pépé, je reconnais plus rien. Non, au poste de péage, le mec il part dans l'autre sens. Alors. Alors, c'est par là. Non, c'est par. Je sais pas. Alors, le poste de péage, si vous voulez, l'entrée elle était au niveau du pont. On peut aller sur le toit ou faire plein de choses ici. Sur le toit? Ouais, regardez. Ouais. Et du coup, on peut attaquer les gens par surprise. Ouais, ou si on peut leur parler pour connaître l'histoire. Un poste de péage. Depuis quand un nain veut s'intéresser à un poste de péage? Voilà, attends, c'est quoi le truc là? Guéringot Torm, gardien de finances maudit. Vraiment, moi je suis dedans, parle, en tout cas non, on peut l'attaquer en surprise, c'est juste pas ça. 606 PV. Par contre, il a l'air d'être pété de thunes quoi. 606 PV? 606 PV. Oh. Mais il a l'air d'être pété de thunes. Ah, j'aurais pas dû balancer toutes mes manœuvres de guerrier sans le prendre pas d'abord. Casque en pièces, cuirasse en pièces, cuissard en pièces, brassard en pièces. Ok, j'ai récupéré un spell de niveau 3. Alerte, il peut pas être surpris. Il travaille sur la dex et l'intelligence. Ah putain, c'est un élixir, ça marche pas plusieurs fois, je croyais que c'était une potion. Merde, j'ai gâché un élixir pour rien. De toute façon, je l'avais gâché plusieurs élixirs pour rien. Là, moi j'ai un visage en bas aussi. Visage de la culpabilité. De l'or un peu partout, de toute façon. Par contre, ça peut pas être tapé. Vous êtes en haut, vous? Vous êtes où là? Ouais, je suis en haut. En haut. Et ils vous tapent pas, les mobs? Non. Moi, je suis en train de looter, j'aurais dû récupérer une petite clé. J'ai un livre pour Arda. Paf. Et de l'argent, on peut le ramasser ou pas? Bah, je suppose que oui. Ah ouais. Bah, manifestement, non, hein. Okay. Bah moi je suis en cinématique là. Ah. Ah bah t'as déclenché le blabla avec le. Avec le boss. À cette tête. You can pass, but first you must pay. Attaque. You may pass the river, but first you must pay. Oh bah tiens, moins de persuasion. Petite guidance là. Je te vois pas en. Attends. J'arrive. Ah, je viens de te la mettre, mais je sais pas si.
ça a marché. Ouah, faut faire 10 points. Faut que j'ai avantage. Allez. 22 dans les deux cas, ça passait. The gold is not for me. The gold is for the tall. I collect the gold. Je suis déçu, on prend pas sur la cinématique. I collect the gold. Ok. Non, on peut pas attaquer. Oh, oh là là, oh, allez. Et là, il explose. No. Gold. 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 No. I paid back. Bah GG. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as c'est gagné. Quoi? T'as, tu l'as tué par le discours, quoi. Tu l'as mindfuck. Bah écoute, je sais pas ce que j'ai fait, mais... On va t'arrêter les jets. Tu lui as retourné le cerveau. Je suis ravi que ça ait fonctionné, en tout cas. Bah écoute, GG. Bah, GG, ouais. Ah, c'est... en plus, ça est un peu chiant, toi. Et en plus, on a débrouillé un nouveau succès. Bah, surtout que là, on... Si jamais je suis en train d'ouvrir une porte qui est... J'ai entendu inventaire saisi, c'est ça, non? Ouais, c'est ici, derrière la porte. Un truc avec solidité moyenne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour défoncer de la solidité moyenne? Je... passe, je crois. Attendez, je récupère... Ah, c'est du feu. Non. Il faut faire au moins 22 dégâts. Ah. Seized inventory. C'est quoi ça? C'est du slashy. Oh, jamais je ferais. Jamais je pourrais faire 52 dégâts. Mais il est déjà là-dedans. Non mais les gars, à un moment donné, vous savez, moi, j'ai vu un moyen d'avoir du loot, j'y suis allé. Il est pas au même endroit. Mais on peut y aller autrement que de péter par là. Je me suis cassé une jambe en tombant. Mais... t'apprendras à être rigide. Je maigris du coup. C'est le jus de l'esprit. C'est surfait. Oh, un coffre opulent. Je sais pas où vous êtes. Flèche de cible multiple, calice en bronze et 75 gold. Ah putain, je me tape des dégâts. Va venir me faire une petite Featherfall, s'il te plaît. T'es où? Je suis sur le toit. Attends, faut que je remonte sur le toit. Comment est-ce qu'on monte sur le toit? Je vois si tout. Tu il est où votre coffre là? C'est bon, on l'a trouvé. Merci. Si j'ai loupé ma perception. J'ai trouvé des coffres aussi. Vas-y, je prends le. Tu peux le crocheter ou pas, Ketax? Non. Ouais, je le prends et je le file rien. J'aime trop pouvoir prendre des coffres qui pèsent une tonne. Là, il pèse 50 quand même. Ah, du coup, ça a détruit tous les visages et tout, c'est trop bien. T'as déjà tout vidé là ou... Il me reste juste les deux gros coffres, j'ai rien pu en faire. Deux gros coffres? Tu vas voir, il y a deux gros coffres. Il y en a un, on peut rien faire parce qu'il a l'air pété, mais l'autre... j'ai fail un jet de perception. Putain, t'es où? Je te...
Je suis en haut. Ah, tout, ok. Je suis en haut. Je vous attends. Oh ouais, je me fais mort. Pendant ce temps, je vais regarder ce que j'ai looté quand même, parce que j'ai quand même réussi. Butin partagé, a pris clé du fonctionnaire du poste de péage à Ardarin à l'aide des poches magiques. Ok. J'ai une flèche de foudre, alors ça c'est pour Katox. J'ai flèche à cible multiple, c'est aussi pour Katox. J'ai deux coffres pour toi à ouvrir, enfin à crocheter. Ah, toi aussi t'as raté ta perception. On a besoin d'un guidance et de quelqu'un pour percevoir. Ok, bah ici il y a deux coffres, j'ai rien. T'es où ici? Je l'ai ping sur la map. Ouais, mais t'es en bas, non? Non, je suis au premier étage. C'est au premier étage aussi. Ok. T'as vu ce qu'il est. Ça se passe pas? C'est où la perception? La perception, c'est ici. Après, en vrai, c'est pas la meilleure façon de la tuer, la bestiole. Ah! Bah, t'as une porte du coffre, mais. On a tous raté nos jets de perception, super! Bah. C'est quoi Arcanac? C'est pas. Plus 1 d'attaque. Oh. Au dégât des sorts. Ça c'est pour toi Arda, je pense. Tu vas dire que ça te plaît pas encore. Alors, grande puissance de mage de combat, c'est pas mal ça. Quand un de ses jets d'attaque à l'arme inflige un état, le porteur gagne acuité arcanique, force plus 1. Ah mais là j'ai un plus 2 là, au bonus de classe d'arme. Surtout que le truc d'acuité arcanique, tu peux l'avoir avec un élixir un peu, donc je pense que t'es grand sous mieux. Mais merci, c'est gentil. Atémir, attends, t'es de crocher le gros coffre. On peut pas. Ah, merde. Ah, le gros coffre, tu. Non, bah, il faut alors réussir son jet de perception. Ah, merde. Malheureusement. Ah, oui, on l'a tous foiré. Ah, si, j'ai rien dit. Non, mais c'est moi qui suis con, il y a marqué lockpick. Ouais. Mais bon, faut faire combien pour l'ouvrir? Bon, vas-y. Raté. Crash, c'est fuck. En même temps, faut faire 30, hein. Heureusement, tu dois, t'as normalement une réserve de le. Ah, j'en ai 60 en là pour un moment. Mais après, t'as pas de dégâts qui te filent avantage ou. Ah, bah, j'ai déjà avantage de base. Ah, mais oui. J'ai avantage et j'ai un bonus de plus 8. Tu m'as pas mis Gaiden? Si, merci. Si, là. Ah ouais? Essaye de quitter le truc et revenir dedans. Ah ouais, il vient de se déclencher là, effectivement, j'ai l'impression que... C'est chaud parce que 30... Dans 30 ah, c'est un crit, hein. Non, pas tant que ça, mais... Voilà, ah, voilà. Ah. Alors, y'a quoi dedans? Y'a quoi dedans? Y'a quoi dedans? Alors il y a une pouch. C'est un parchemin. Dans lequel il y a des trucs pourris. Et un parchemin avec... où c'est dit ha, je vous ai bien niqué. Avec un cadavre dedans. Il y a un cadavre et de l'eau. De l'eau. Un cadavre. Elle est où? Ouais, il y a un. Et squelette. Le squelette, t'as interagi avec? Ouais, je peux pas. Si, il nous confrontait dessus. Ouais, mais ça fait rien. Ok. Bah je pense que c'est parce que j'ai loupé le test, tu vois, je pense que si j'avais réussi on aurait vu autre chose. Ah le jet c'est juste que tu trouves une petite feuille sur le coffre qui te dit que le mec il voulait fuir les ombres et donc il s'est caché dans le coffre jusqu'à ce que quelqu'un vienne le sauver. Sauf que bah son plan il s'est pas passé comme il voulait. Ah ok. Quelle chance d'avoir dépensé autant de trucs du coup là-dedans. Je suis ravi.
Bon bah du coup, tiens, Arda, tu l'as ce truc ou pas? Quel truc? J'envoie des pare-chauds là. Tempête de neige fondue. Alors ouais, celui-là je l'ai déjà. Celui-là je l'ai déjà. On a perdu. Il y a des armes, mais une meilleure. Bon, je pense que t'as. Tu m'as filé ta grituelle, j'aime bien. Comment? Tu m'as filé. Ah ouais, non. Non, c'est des armes, je t'envoie. Tout ce qui est censé pouvoir se lire, je l'envoie à Arda. Ouais, peut-être après je repasse. Peut-être que après je passerai à l'arme à une main avec avec Boubou, mais pour le moment je vais jouer à l'arme à deux mains. Et bah voilà. Est-ce que ça ferait pas une heure? Si. Si si, ça tombe bien. On peut s'arrêter là-dessus. On peut s'arrêter sur la fin du poste de péage. Attends, je termine de fouiller un squelette. Voilà. Et c'est sur cette fouille de squelette que se stoppe l'épisode 32 de Baldur's Gate. On espère que ça vous a plu et on vous fait des bisous. À plus tard. Ciao.